Coucou YouTube, ça fait bien longtemps, une game à l'arbalète dont je suis extrêmement fier, de très beaux moves, des outplay, de l'ego. Si tu kiffes, pense à commenter, liker, c'est important pour le référencement. Punisher, toi qui as sub comme un taré dès le début du live, on joue quoi? Plutôt carpestacle ou un quart normal? Ou arbalète? Je vois que l'arbalète a l'air de lui faire plaisir. Allez hop. Salut SK! Mais tu sais pas de qui j'ai eu des nouvelles? De Eddy. Du coup, semaine prochaine, lundi ou mardi, rendez-vous 20h-23h pour une soirée. Ça te va? Demande de reconnaissance aérienne. Un drone arrive sur zone. Quoi? Je suis en train de tout checker avec mon arbalète. On dirait un taré. Ouais, je la joue safe, les gars. Je sécurise mes kills. Pas de folie. Ça me fait quand même mal de dire ça. Vous savez quoi? On va 3-6 le dernier. Parce qu'il reste encore quelqu'un. Il est un étage au-dessus. On l'a vu tout à l'heure au radar. Juste 200$ pour savoir où est-ce qu'il est. C'est une quicheta pour moi? C'est pour moi. Et tu veux te faire exécuter? On en veut plus, des comme toi. Je vais prendre cette voiture, les gars. Avec cette voiture, je vais rattraper ce train. Une fois que j'aurai rattrapé ce train, je tuerai le mec qu'il y a dedans. Changeons de plan. Je pars sur une interception de ce pilote. Après, sa voiture va légèrement plus vite que la mienne et j'ai l'impression qu'il abandonne son véhicule. C'est bien joué. Oh, 3-6. Oh, oh, oh. Et biche! Le Frenchy biche qui drop de la voiture avec un C4. Mais qui se fait retourner par le maître. Ok, il y a un mec là, il y a un mec là. Aïe! C'est une balle de sniper, les gars. Il m'a fait du mal. Bonjour, Chouachin. Enchanté. Olé! Hold del Paso! Je me shield à l'attendant. Killer King. Mec, je vais... Vas-y, lève-toi. Il en avait gros sur la patate, hein. C'est... Je peux clairement le sentir. C'est... Oh, on est sur un... Bonjour, moi c'est chaud. H1... Le Lord. Oh merde. Mais gros, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais le mec qui circule trop bien alors que tu te fais exécuter, gros? La honte sur toi? Ouais, moi mon pseudo c'était Arza. J'ai une petite méta Krieg avec Bullfrog. Je passe mon temps à jouer en résurgence et... Je me sens joueur professionnel, du coup, j'ai tenté un contre toi, chaud. Dommage.
Bon, allez, on se déplace. Miaou. Les gars, on parlera de ce flèche dans les livres d'histoire. Oh. Mes couilles. Incroyable. Mardi 24 août, à l'hôpital de Verdansk, le carreau de chaud. Voici son histoire. Oh là 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 là, le karma. Le karma positif pour le joueur franco-mongolien Choh H1. Parfait. Je vais assurer mes arrières aussi. Comme une poule qui fait son nid. Si je décède. Il y a un mec qui a pris la ligne sur le colis. Regardez-le les gars, il est à l'arbre. Regardez-le, regardez-le. Imagine, je saute, je 3-6. Je vais être shot. Oh non. Chaud, respecte un peu. Je suis désolé les gars, je suis désolé pour lui. Bon, allez on avance. Putain, dire que c'est que la première game de la journée. Oh, un shotgun. Fais le gars solide, on bouge pas. Tiens, je t'ai rajouté un truc dans la joue. Ouais, moi je joue Pharah avec Space 12 et je code rush les gens. Mon oncle m'a dit que j'étais bon. Il t'a menti. T'es à chier, joueur de merde. Pas bien. Il bouge pas beaucoup lui. Hein. On dirait un poisson crevé ou un chien écrasé. Ah non, il bouge. Percuté mais pas mort. Attends, si je fais ça, parfaitement robonné. 3-6, headshot. L'effet de la paralléa, comme au tennis. Le revers à deux mains. Ah les gars, je me suis dit qu'une première game de la journée, ça commençait forcément par une 20 kills. Reconnaissance alliée imminente. Un drone arrive sur zone. C'est bien joué de sa part. Mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est un autre mec? C'est un autre gars? Oh non! Oh non! Il m'a collé le truc, j'avais pas d'autre option. Non, j'avais pas d'autre option. J'aurais pu monter à l'étage. À l'étage, c'était spotted. Yeah! Yeah!
mourir les gars et c'était balancé un colis à l'avance. C'est Kiki. Elle en trace les gars. Faut que j'aille récupérer mon arbalète hein. Pourquoi tu balances toujours tes armes pour les ramasser? C'est par rapport à... J'ai des arrière-grands-parents Inca. Mais une sous-famille avec des racines indiennes. Et du coup je pose toujours mes armes au sol par rapport au grand totem du loup. Team premier degré en PLS. Alors on a perdu tous les darons de Facebook. Et les jeunes de TikTok là ils sont en train de se bouffer les ongles là dans le live, ils sont pas bien. Hein. Alors qu'il ferait mieux de manger un gros chi. Quoi? Wow! Allô? Un peu moins de bruit dans la maison. Allez, on avance. Ah les gars, j'avais plus de stuff, j'avais plus rien. Je suis allé le tabasser, c'est ma dernière solution. Ça, c'est une solution de cowboy, les gars. Tu prends ta portière de 208 et tu vas lui exploser le front avec. Hein. Meilleure solution. Ok. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Je suis un bouclier. Je n'ai pas peur de mouiller. Reconnaissance imminente. Ok, il y a un gars derrière. Il y a un gars derrière. Il est actuellement caché sous le pont. Il avance pas. Oh la taille du rat, les gars. La taille de ce rat. Jamais j'ai vu un rat si gros. Vous avez vu le ratataxer le truc, les gars? Regardez, les gars, regardez. Il est en train de dart flank sur le côté. Il a pas eu le temps de passer, là. Il a eu le temps de passer, tu vas me dire. Non. Quoi? Non, il est dans le gaz, en fait, depuis tout à l'heure. Ça fait quoi d'être dans le gaz, frérot? T'as un masque en or ou c'est comment? Putain. Ok, j'ai pas une mauvaise position. J'ai pas non plus ce qu'on pourrait appeler une bonne position. Mais il vaut mieux avoir une position incertaine. Yeah! Oh, c'est bon, je déconne. Hop, on reprend l'arbalète. La 20 kills, on espère, hein. on espère, je vais pas me mettre en difficulté. Je pense qu'il y a un mec dans ce bâtiment, et les deux autres sont dans celui-là. Oh non! Est-ce que j'ai vu quelque chose ou est-ce que c'était un buisson? Une drôle de couleur, hein. Un buisson anormal, genre un buisson transgénique. C'est pas un buisson transgénique. C'est un sniper, ça. Olé. 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 Coucou. Je suis en zone. Tu vas devoir avancer. Ah non, t'as pas besoin d'avancer. Forcément. Enfin... T'es où? Tu t'es avancé à un caillou? La zone est vers moi! Ah, toi, je te vois aussi là-haut? Vous sautez dessus? Ok, moi, je vais regarder ma tête de mort en attendant. Qu'est-ce qu'on fait alors?
On l'attend sur le bord de zone. Et calme-toi, c'est une strat qu'on était en train d'élaborer. C'est pas... Est-ce... Non, t'as rien d'autre à dire. On va attendre qu'il avance. On va tenter la flèche. Est-ce qu'on la tente? On est joueur. On est joueur. Je l'ai vu. Je l'ai touché. On l'a mis à terre. Envole-toi! Oh, il est pas mort. Bon. C'est une question. Dégagez la game! Ouais, merci. Ça s'est bien passé. GG, GG boys. Hey, thank you, man. See you.